Bien, je m'appelle Jean-Marie Tison, je suis camelot à l'itinéraire depuis 16 ans, c'est-à-dire depuis le tout début. Je vends sur la rue Saint-Denis, entre Ontario, Maisonneuve officiellement, mais dans le fond jusqu'à Mont-Royal. Alors, je me promène, je ne suis pas vraiment un gars comme sur le coin, rarement. Je me promène, je marche. Et sans les gens qui m'aident, et je dois, en toute humilité, en toute honnêteté, je dois dire que l'itinéraire a véritablement changé ma vie, moi. Si ce ne serait pas l'itinéraire, je serais en prison ou je serais mort. Ça, c'est clair, clair. Alors, l'itinéraire m'a permis de trouver un lieu où je pouvais m'exprimer, parce que je me suis beaucoup exprimé grâce à l'itinéraire, de gagner ma vie de façon honnête et honorable. Okay? Et je sais que pour vous autres, il n'y a pas de grande différence entre quelqu'un qui bombe et quelqu'un qui va au journal, mais moi, je peux vous le dire, il y a un monde en bombée comme ça. Dans un journal de même, quand tu sais que tu es backé par une gang, c'est un univers. Et quand vous achetez l'itinéraire à un homme ou une femme sur la rue, vous faites plus que faire la charité. Vous donnez de l'espoir à des gens qui tentent véritablement de s'en sortir, qui essaient de reprendre leur vie en main de façon concrète. Là, parce qu'il faut le faire, faut le faire. Et ça, je tiens à remercier toutes les gens, même ceux qui ne l'achètent pas à la limite, mais qui au moins qui nous ignorent pas et qui nous saluent. Parce que c'est plus facile de se faire dire non que de se faire ignorer. Et ça, l'ignorance, à un moment donné, ça va faire son temps. On peut pas maintenir les gens comme ça. On peut pas ignorer cette réalité-là. On peut pas acheter la paix sociale avec du spaghetti en canne indéfiniment. Alors, des gens qui se prennent en main, qui essaient de créer leur propre moyen de gagner leur vie, je pense que ça mérite d'être reconnu. Et je vous remercie de nous encourager. C'est parfait. Ça fait plaisir.